Allez, après une pause de 2 minutes, on n'a pas fait pause pipi. Hein. J'ai juste coupé, moi, mes fonds de boîte parce que je ne les avais pas fait. Donc, on va attaquer le fond de boîte. Donc là, dans le tissu que tu veux. J'en mets le même que celui-là. Ah, si tu veux. Non. Si tu veux, ou tu mets des triangles, ou voilà, comme tu veux. Tu peux faire ton fond pareil. Ton fond pareil. Ah, le fond comme mon couvercle. Et les côtés. Grillage comme ça. Ah oui, si tu veux, ou dans l'inverse. C'est toi qui choisis. Alors, la petite bourse, c'est lequel ? Du coup, je ne sais plus. Pourquoi j'ai coupé ? Ça paraît plus petit, ça. Ouais. La découpe. Donc, on va faire d'abord le fond. Nous allons faire d'abord le fond. Alors, mes chutes ici. Alors, il est où le mien? Que personne ne sorte. Ah bah oui, je l'ai mis là, entre les boîtes. Suis-je bête? Voilà. Hop. Et hop, voilà. Tu laisses autant de marche que pour le couvercle là. Ah non, là moi. Ouais, un centimètre à centimètre et demi, ça te suffit. Pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc tu coupes ton morceau. Ouais, tu coupes ton morceau avant, comme ça tu es tranquille. La position. Très très pratique. Ah, j'ai oublié d'en couper un. C'est celui pour le fond de couverture. Je couperai après, c'est rien. Oula, comme quoi, je coupe vraiment pas droit, moi. On va d'abord coller. Je... Okay, et après, tu et après on fera les angles. Voilà. On va mettre sur les coins. Mais là, les angles, on ne va pas les faire pareil parce que là, on ne va pas coller sur le carton. Et là, on va badigeonner le fond et un petit peu en haut, sur les côtés, puisque là, le tissu, on va le remonter. Ah non, c'est le tien, pardon. C'est pas grave. Je te laissais travailler. Je me dis pourquoi elle attend. Je me dis pourquoi elle attend. Bête et disciplinée, je trouve. Je te regarde. Je me suis dit peut-être qu'elle va me faire le mien, mais non. Vous ramenez le dessert, vous faites 2 heures de route et on vous fait bosser. On met sur un peu sur le côté aussi du coup. Oui, parce que le tissu va remonter. Voilà. Alors, je vais te redonner un sopalin propre, parce que comme ça on va bien lisser. Très consommateur de sopalin. C'est pas écologique hein, le cartonnage. Enfin, je pourrais utiliser des tissus, mais bon. Ouais, non. C'est pareil, il faudrait que je les lave après. Ils vont dans le rouge, moi. Ouais, le mien, oui. C'est pas... T'as peut-être mis plus de colle ou non, c'est parce qu'il est trop fin. C'est du... Comme c'est du cardstock. Alors, attends, parce que moi, il est où mon derrière? Il est là. Enfin, je suis assis dessus, mais... c'est vrai. Okay. Je n'ai même pas pensé à ça. Okay. Enfin, je suis assis dessus, donc, moi, mon derrière, mais... Tu places comme ça et tu Et tu remontes tes bouts de tissu.
Et après, avec ton pinceau, tu remontes les petits bords de tissu pour les coller. Faire ça avec ça aussi hein, si tu veux pour le petit doigt, oui. Ouais, pour bien faire dans les angles. Ouais, bah, j'ai fait avec mon doigt pour marquer ouais. L'angle. J'ai mon fond. En fin de compte, je crois que je vais pas utiliser. Bah, si, je vais peut-être utiliser le tissu noir pour mettre autour. Ouais, ressortir. Ouais. Il y a un truc qui me plaît pas. Alors là, pour faire les côtés, il y a deux écoles. La première école que je faisais avant, mais qui m'a vite barbé, c'est que tu prends un morceau de tissu de la toute la longueur, la circonférence de ta boîte, le périmètre, et puis tu colles tous tes morceaux. Ouais. Mais au bout d'un moment, moi, ça m'a barbé parce qu'il fallait bien prendre tes angles et tout. Et donc, la technique que moi, j'utilise, c'est que tu fais morceau par morceau. D'accord. Au moins, ah oui, c'est pour ça une fois, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas tout le temps de la même façon? Oui. Non, donc, tu fais quatre petits bouts, quoi. Voilà, je fais mes quatre morceaux. Quatre comme ça, morceaux. Je suis tranquille. Non, je savais la faire, la première technique, mais ça me barbait. Donc, j'ai arrêté. Attends, j'avais un petit bout dans le dos. Ah, ben voilà. Donc, quand ça me barbe, je change. Donc là, pareil, on va pas mettre une tonne de d'ourlet, hein. Ça, on s'en occupe pas. C'est quoi ça? Ah oui, couvercle, non, c'est après. Toi, tu l'as, moi, il faut que je me le fais, je ne l'ai pas encore fait. Donc, tu vas faire à peu près comme ça, un centimètre en haut. Je vais me demander si je laisse ça, parce que moi, j'ai la rajoute. Ah non, ça, non, il faut l'enlever. Parce qu'elle est de la même couleur, toi, elle n'est pas blanche. Mais même, ça va te faire une trop grosse épaisseur, c'est plus épais. Donc, il faut un petit centimètre en haut, un petit centimètre en bas, et un petit peu plus sur les côtés, pour les grands. Pour les grands, d'accord. Parce que les grands, on ne va pas les rabattre, les côtés. On va les faire aller sur les côtés. Pour cacher avec les... Voilà. Alors, on vient de faire une petite pause. On a mangé le gâteau, la tarte à la poire chocolat, miam, miam, miam. C'était bon. On n'a pas tout mangé. Hein. Non. On est resté raisonnable. On en a laissé. Ah, bon. Alors, on a collé nos côtés d'intérieur de boîte. Maintenant, on va découper. On découpe. Donc, si je me rappelle bien, tu coupes droit les petits. Oui, là pour l'instant tu coupes. Pour l'instant tu coupes tout. Ouais, ok. Tu fais un gros bloc. Okay. Et après on va tout tout détailler après. On va coller d'abord les grands. Alors les grands, on colle pas les petits côtés. Tu ne colles pas? Ah, ok. Donc on va coller les deux grands. Ouais. Alors là, on va coller d'abord là, derrière. L'arrière. L'arrière, ok.
Donc, on y met de la colle. Tu mets les droits en bas. Les biaisés en haut. Ok. Donc là, tu vas mettre de la colle. Là, et sur le côté, puisque tu as tes bouts de tissu qui vont venir coller là. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'aimant. Alors, l'aimant, on va mettre des très gros ou bien des ronds. Alors, il y a des très très gros. Ouais, mais ça va être dur à cacher derrière. Ouais, le ouais, c'est plus épais. Alors. Mais reste là, toi. Voilà, t'as deux aimants. Ouais. Bien là. Ah, celui-là est cassé. Alors, on va. Ah, j'en ai deux là. On va mesurer le milieu. Alors, je mets comme ça. Donc, ça fait 20. Alors, 10 cm. Reste là. 10 cm. Et on va faire à peu près ici. Voilà. Pour savoir où on va le mettre. Donc là, hop, ici, on va mettre un point de colle. Je vais passer où ma colle. J'avais un tube de colle. Ah bah ça y est, on va prendre celle-là. Elle colle super bien. Et on va prévoir un petit papier comme ça. Chacun le sien pour mettre au-dessus. Alors, pour toi savoir dans quel sens, tu fais hop, comme ça tu sais tout de suite dans quel sens tu dois mettre celui-là. Alors, donc celui-là il va là, hop, je peux reposer. On va mettre une pointe de colle sur l'aimant ou soit directement sur le carton hein, comme tu veux. Voilà, je peux remettre mon aimant tout de suite, comme ça moi je suis sûr que ça bouge pas. Ça, je vais reboucher parce que celle-là c'est une colle qui elle bave. Ça bave, c'est rien. Ouais. Et non, on va mettre continue de couler. Et là, on va mettre, je vais mettre avec de la colle que, plutôt que de l'eau. Je ne sais pas si l'eau avec le... Bon, je vais mettre avec de l'eau. Normalement, ça devrait tenir. Hop. On va mettre sur l'aimant. Voilà. Donc, ça te fait ça. Ok. Voilà, et maintenant on s'occupe de la bande intérieure. De ce côté-là, pour cacher le. Voilà. Donc voilà, maintenant on va s'occuper des petits côtés. Donc celui-là, il doit déjà être bien collé. Donc là, on colle tout. On va commencer par coller d'abord les deux petits. Les deux petits. Et après, les deux grands.
je l'ai encore trempé dans l'eau. Oh, c'est pas vrai. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. J'aurai un escargot tout chaud. C'est qu'elle n'est pas si marrante que ça, hein, cette chanson-là. Oui, oui, pareil. Ça date de... C'est une histoire de la guerre. Je vais te entendre ça il n'y a pas très longtemps. Et il y a une autre chanson, il y a le truc, je crois que c'est au clair de la lune. La version de la clair de la lune, en réalité, c'est un truc un peu porno. Ouais. On fait chanter ça aux enfants. On n'arrête pas le progrès. Bah c'est parce que le langage d'avant et le langage de maintenant, le langage d'avant, on comprenait, quand on l'a appris, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Oui, bien sûr. T'es plus naïf. Donc maintenant, tu as peut-être pu apprendre à tes enfants... la même façon, ouais. Non. Pour éviter. Qu'est-ce qu'il faut tremper dans l'huile, maman? Du coup, là, tu les enlèves, les pinces ou pas? Ouais, je laisse un peu sur le côté. Là, j'enlève, c'est bon. Voilà. Et on va ressortir nos couvercles. Alors, il nous faut un ruban. Parce que là, du coup, ça, on va le mettre un peu sur le côté. Bon, l'enlève pas... Et il va nous falloir donc ruban pour faire notre fermeture. Alors ruban, la boîte elle est là-bas. Je vais te la chercher. Oh, si tu veux. C'est la seule où il y a une étiquette. La noire et dorée. Là, les grandes boîtes. Okay, noire et dorée. Ouais. Oui, c'est rangé serré. Optimisation de l'espace. Voilà. Merci. J'ai commencé à classer, hein, t'as vu Oui, t'avais commencé à mettre sur la cartonnette. Bon, elles ne sont pas encore toutes classées, mais... Alors... Je ne sais pas ce que tu veux. Peut-être un gris pour aller avec le couvercle. Bah moi, ou... voilà. Un gris. Ouais. Il y a celui-là. Pas trop large, non, c'est bon. J'ai déjà mis. Ouais. Okay. Ouais. Ok. C'est plus trop. Bon, oui. Hop, voilà, on a déjà trouvé. Rapidité, efficacité. Ouais. Attends, hein, c'est pas encore terminé. On va pas crier trop vite victoire. Donc, je te donne d'abord le tien. Je vais donner des petits angles aussi. Alors, des petits angles. Les angles. J'ai pris mes coins dorés. Ah. Bon, c'est vrai que je commence à te serrer dans moi. Ah, ouais, on va mettre des dorés, hein, c'est ce que j'ai le plus. Les argentés, j'en ai plus. Et toi, ah oui, tu les colles là? Non, je les serre. Un coup de pince. Et, des fois, je donne un point de colle, mais bon, j'ai trouvé que même en faisant comme ça. Oui, ça se met bien. Voilà. Remets-en un peu en dessous, puis tu rends. Alors, je suis à 22, ça fait 11. Les angles. Deuxième fois, hein. Désolée, mais... Ça y est, c'est dans le dictionnaire. On peut le dire en allemand. Hein. Scheiße.
Voilà. On a fait. On a oublié quelque chose. Le tissu au milieu. Ah. On a oublié le tissu du milieu. Zut. Mais pourquoi tu en mets si c'est collé après? C'est parce que quand tu vas coller ton carré là, si tu t'en mets pas, tu vois ton. Ouais. D'accord. Voilà. T'as vu comment ça fait? Moi, c'est revenu dessus. Oui, mais ça va se remettre. Je disais bien, j'avais oublié quelque chose. Oui, mais c'est là qu'il faut couper droit. Oh. Regarde. Tu prends une chute. Je vais couper un petit peu moins. Tu mets quoi ça à peu près? Attends, je te montre. Ah oh bah oui, il n'y a pas besoin. Tu vois par voilà. Rapport à ton revers. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on va s'occuper du ruban. Donc, on va pas mettre jusqu'en haut, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai, il va y avoir le cirque. Ils l'ont pas annulé. Il y aura, nous, dans le Nord, ils annulent pas grand-chose, hein, ouais. Parce que nous, il n'y a rien. Il y a plus de... Y a, ben non, pour nous, y a, chez nous, il y a, pour ainsi dire, rien. Voilà, hop, j'ai coupé le nounou de mon pull, il m'énerve depuis tout à l'heure. Bon, après, elle va tenir avec ta boîte, hein. Donc la double face, on va utiliser. Ne te trompe pas de côté, hein. Ouais. Côté où il n'y a pas de nœud. Tu mets sur toute la longueur? Non, non, bah, regarde, là. Ouais. Enfin, faut pas que ça aille jusque là. Oui, Puis tu finis là à peu près un centimètre. Où tu mets combien à peu près? Oh, collé dans le bon sens. Oui, donc tu colles sur l'envers. L'envers. Alors attends. Non. Oh, non, je fais regarde. Des conneries. Ouais, non, je fais des bêtises. Bon, allez, hop, on va remettre. Ben oui, c'est sur l'autre côté qu'il faut faire. C'est fin de journée, les filles, hein. Là. Bon, après, ça sera. Ouais, alors je recompte. Bon, de toute façon, ça sera collé quand même. Hein. Il y aura un bout de. Ouais. Il y aura la boîte dessus. Ça, non, ça rien. J'en avais un autre. Je tilté quand t'as tout de suite. Bah ouais. Quand t'as bugué. Moi j'ai bugué là. J'ai dit, y a un truc qui va pas. Je me suis dit. Je suis en train de chercher, je dis mais mince, dans quel sens ça va remonter, ça va pas là. Voilà, là c'est dans le bon sens. Donc à l'envers. Déjà. Là, bon, même si on coupe trop, c'est rien, on va rallonger après. Hein. Ouais. Vaut mieux couper trop que pas assez. Oh non, je coupe un grand morceau. De toute façon, les petites chutes, après, moi, je les garde ça, quand même. Bon. Ouais, ouais. De toute façon, moi, les chutes, après, je les garde. Hein. Ça, ah oui. Ça sert toujours. Des fois, oui, pour décorer une carte, faire un petit nœud. Voilà, là, c'est dans ce sens, ça, c'est mieux. Ah, cucu la praline. Oh. Donc ça c'est fait. Maintenant, maintenant on va coller notre boîte dans le fond avant de faire notre fond de couvercle. Donc, on peut enlever les pinces.
Alors maintenant, il va falloir qu'on vérifie d'abord avant de coller que tout va bien. Le principal, c'est que ça dépasse pas le, sur ta tranche, quoi. Oui. Là, ce serait pas mal. Donc là, non, là tout va bien. Ouais. Voilà. Maintenant, on peut tartiner son cul. T'as vu là, comment ça fait ça... Oui, mais après, c'est... Tu sais, comme il n'y a pas l'écart. Mmh. Et après, quand tu vas la mettre sous presse, ça va aller. Ça va la replacer. Ouais. Ouais. Donc, même, je pense à voilà. Même quand tu vas la mettre sous presse, peut-être que la colle, elle va coller. Ouais. Tu t'inquiètes pas. Ouais. Tu l'ouvres délicatement, ouais. Ça va faire... Oui, pas comme un hein, ça va faire... C'est normal. Tu laisses, tu l'ouvres entièrement, ouais. Tu la refermes, tu la remets sous presse. D'accord. Et là, bah, là ça ne collera plus. Ouais. Ça va reprendre sa forme. Bon, allez, on lui tartine les fesses. Tartinage de fesses. Vidéo. C'est du scotch gris armé, enfin qui existe aussi en blanc, ah oui. Très épais, pour les reliures. Ouais, les reliures d'albums. D'albums. Ouais. Voir une vidéo de Sonia Benedetti qui avait fait un album avec ce scotch-là. Ah oui. Oui, pourquoi pas, oui, c'est plus solide, hein. Surtout qu'un album, on le. Bon, on va, on l'ouvre pas tous les jours, mais je veux dire, bon. Ne pas se planter, le coller du bon côté. Voilà, tant que ça glisse encore, c'est bon. De toute façon, là où tu as l'aimant, c'est le devant. Tu le colleras de... Voilà, comme ça. Voilà. Okay. Donc, tu regardes quand tu le fermes. Comme ça. Voilà. Que tu vois, quand tu le fermes, tu appuies un peu ici dans le fond pour que ça vienne sur ton arête. Comme ça, tu es sûr que c'est bien placé. Là, écoute, là, je peux pas le bouger. C'est comme si ça prenait déjà. Je peux pas le couler plus. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est regarder que les deux côtés-là, tu as fait la même distance. Que... Et moi, je me suis basée avec ça, avec les angles. Oui. Voilà. Donc, moi, je dois couper mon fond de couvercle. Toi, tu l'as. Oui. Alors, je vais me baser sur le tien. Je vais vérifier d'abord que c'est la bonne taille. Alors, taille un peu. Et moi, tu vois, là, je crois que je vais mettre du double face pour le prochain. C'est plus fort que moi. Alors, mets du double face. Donc là, tu... Pareil, tu fais droit les petits côtés oui, et oui. Les biais pour les grands. Voilà. Allez, chiche, je fais du double face, comme toi. Comme ça, je verrai ce que ça donne. Moi, ce que j'ai peur, c'est de pas avoir des beaux angles. Ah, pour coller ton tissu. C'est ton tissu, là, tu peux le faire... Non, mais... Ah, je croyais que c'était le carton que tu voulais faire au double face. Oui, je vais le coller au double face après. Ah oui. Mais ce qui m'embête, c'est de pas avoir des beaux angles. Des beaux ongles. Oh non, les ongles, là, tu vois, là, les miens, j'aurais dû les couper parce que ça m'agace. Pas comment elles font pour travailler avec des grands ongles. Ça me fait penser au film Maigrir. Ah, j'ai déjà vu au moins 10 fois ce film. C'est, alors, je ne saurais plus dire le nom des actrices. C'est un film comique. Et à un moment, tu as une des actrices qui va au salon de coiffure et tu as Alain Nombourge de...
cette actrice-là. De toute façon, elle est vraiment bourgeoise. Elle a un titre de... Elle est duchesse ou je ne sais plus quoi, dans la vraie vie. Et donc, elle a un salon de coiffure. Charlotte de Turquen. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, si, c'est ça. Charlotte de Turquen. Donc, c'est elle la patronne du salon de coiffure. Vraiment pur hasard. Il y a sa petite apprentie qui est en train de faire les ongles, donc... l'autre actrice là, et puis elle arrive et mais elle lui parle à la troisième personne. Elle sait que qu'on a des petites promotions, la petite dame. Elle sait qu'on a vernis, qu'on peut faire, qu'on a une promotion sur les faux ongles. Elle sait que alors elle la regarde un moment. Elle dit oui, non, elle en veut pas parce que les faux ongles c'est pas pratique pour se gratter le cul. Ah, oui, c'est sûr. Ah, je dis c'est sûr, hein, j'ai pas essayé, hein, mais bon, je suppose. Vous avez entendu les filles? Ah, cette réplique-là, je l'adore. C'est comme la façon qu'elle le dit. Voilà, c'est ça. Des fois, c'est même pas en soi, ce qui est dit, c'est la façon dont c'est... Ah ouais. Dont c'est ça. Voilà. Maintenant, on met de la cocole ou du double face. Allez. On va essayer. On essaye. Du coup, faut mettre pile poil. Ah oui, là oui. Alors le mien, il est où? Il est là-haut. Croire. Ah, il aurait peut-être fallu que tu recoupes ça. Ouais, un peu. Alors, bon, que je mette bien à l'endroit parce que mes roses elles ont un sens. Moi, je vais me baser sur les angles du couvercle. Faut centrer ou tu. Ouais, il faut que tu mettes au milieu. Hein. Sinon. Ça va être bancal. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air. Moi d'habitude quand je fais la colle, après je fais seulement une mise sous presse avec moi pour que ça colle. Ça traîne. Donc, C'est bien. Après c'est la mise sous presse qui va tout faire. Ouais. Tout maintenir. Bon, alors maintenant il faut qu'on colle l'arête et on s'occupera de l'aimant après. C'est la dernière partie à coller. On recolle. Donc encore là, tu la colle. Oui, mais ben, je vais mettre sur la boîte. Ça sera oui, c'est sur la boîte. Qui tient pas? Non, c'est parce que je l'ai ouvert trop. Je l'ai ouvert comme une brute. Ouais, mais bon, c'est pareil, ça peut leur, par rapport à d'habitude, les temps que tu laisses pour sécher. Ouais, ouais, moi, ça. Voilà. D'habitude, je mets 2 jours ou 3 jours pour la faire, le temps que, tout il sèche bien. Hein. Voilà. Au pire, moi, j'en remettrai chez moi de la colle si je vois que. Je suis en train de réfléchir. Elle a fait une. Enfin, c'est pas une bêtise.
On n'a pas fixé le ruban avant. Ou alors. Pourquoi le fixer? Voilà, on fait une on fait une comment? Moi j'ai l'impression qu'il est décalé. Par rapport à. Là, il va arriver juste au. Ou alors je fais une. Ah comment on dit? Une fantaisie. Parce que normalement, il doit passer en dessous de ça. Et je fais passer au-dessus. Ça fait pas plus moche. Tu peux pas faire juste une patte comme ça? Ah si, sinon on fait qu'une patte. Hein. C'est parce qu'il faut que je fixe la patte. Ah, attends, je sais peut-être. Alors, ou alors je fixe la patte comme ça. Voilà. Et puis là, je peux mettre un nœud. Pour pas que ça fait bizarre. Alors là, j'ai des petits et je dois avoir des plus grands quelques. Voilà. Hop. Oui, mais pourquoi fixer, enfin fixer comme ça, juste. Parce que normalement, ça, ça vient derrière pour que ça soutienne bien. Mais là, du coup, on l'a zappé. Ouais. Donc, je peux faire la pâte, coller la pâte jusque ici sur le dessus, ouais. Comme toi, tu vas le coller jusque sur le dessus. Et là, on se met un nœud pour pas que ça fait bizarre. Un nœud ou un bouton ou un truc comme ça. Voilà, tu vois. Un petit nœud ou un bouton. Et mais tu vas l'arrêter où ton tissu, ton ruban? Bah juste à ras. Ouais, ça va s'effilocher. Non. Bah non, si on va on met de la... Oh putain, du coup ça... Oh pardon. Là, j'ai dit un gros gros mot. Ouais, mais là, du coup, ça, ton aimant aussi, tu vas le mettre. L'aimant, il va à l'intérieur du ruban. Tu vois, moi, il est un peu trop... Il n'est pas bien placé. Le ruban, je l'ai... Tu vois, il est décalé un peu à gauche. Non, t'as mesuré? Ben oui. Ben là. Regarde. Oh, ça va aller. Si tu laisses ça, c'est bon ou un peu plus? Bon, tu peux mettre un tout petit peu plus si tu veux. Ou... Voilà. Alors, je vais m'occuper de là. Je couperai ce qu'il y a en trop après. Et tu vas le coller avec du double face. Du double face pour l'instant. Que j'ai mis où? Là. Ton aimant, tu le. Alors, pour toi, tu vas rechercher ton aimant. Tu plies pas tout de suite ton truc, tu vois, regarde. Ouais. Tu as ton double face de défait. Ouais. Tu vas chercher ton aimant, tu le colles. Ouais. Et comme ça, tu sais où est-ce qu'il il va se mettre. Toi, là, il se colle. Ok. Il est... Mais il est sur ton ruban. Et maintenant, tu peux aller le coller. Je vais remettre un petit bout. Le soir commence à tomber. Logiquement. C'est beau, la satisfaction. Et alors, t'as vu? Si bête que ça. Je pense que je vais pas le faire au fur et à mesure. Bon, maintenant, c'est moi qui... C'est moi qui galère maintenant. Viens ici, cochonnerie de double face à la noix.
Le premier est parti sans que j'appuie dessus. Ouais. Ah, voilà, ça y est. Donc, tu sais que la prochaine fois, tu le mets, mais à l'intérieur. Il est plus long. D'accord. Bah oui, mais avant... Tu fais ton aimant avant, avant de ah faire oui, ça. Ah oui, on colle ça, d'accord, ouais. Après, oui, oui. Et donc là, ouais. Hop. Donc, on va mettre des petits nœuds ou un bouton. Tu veux un nœud, un bouton je sais pas. Hein. Bouton, j'ai ça. T'as des nœuds gris ou pas? Ils sont là. Bah, ou un vert pâle, non, c'est un vert pomme. Ça. Après, c'est des. Ça, c'est quoi? Oh là 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 là, qui va. Oh, sinon, non. Je regarderai à la maison si ouais. J'ai une bidouille à mettre. Ouais, donc ça, c'est des... Ouais. Ah, comment on appelle ça? Ah, tu peux coller un truc comme ça aussi, sinon des... Ah, ben voilà. Des... C'est ça que je... Ah! Que je voulais savoir tout à l'heure. C'est la fermeture. Capsule. Ouais, non, c'est pas les capsules, c'est des... Cabochons. Cabochons. Ah, bah attends, peut-être un cabochon. Et c'est ça, tu vois, j'arrive pas à faire ça avec le glossy. Donc, ça, tu peux les acheter tout près. Ah, bah oui, moi, ça. Et ça irait bien. Dans les capsules altérées. Ah, oui, oui. Faut acheter la bonne taille. Ah, bah je vais peut-être pas coller celui que je vais te prendre. Et je verrai voir si ça tient, si c'est ça. Bah, t'en prends deux. Non, rien. Ça, non, trop vert. Parce que où est-ce que tu as eu ça, du coup? Que ceux-là viennent d'Ali. Ceux-là, ils reviennent. Mm-hmm. C'est quoi dessus? Celui-là, même. Mm-hmm. Ah bah oui. Il est impeccable. Je regarderai si ça va dans mes capsules que j'ai achetées. Mm-hmm. Et si c'est bon, tu me diras si tu as encore le lien. Parce que j'avais acheté les capsules toutes prêtes, moi. Enfin, mm-hmm. C'est la base. On va attendre qu'il colle. Tu l'as collé à l'endroit? Oui. C'est quoi que tu as comme dessin? Des ailes avec dans un fauteuil. Ah, je voyais pas. Ça, c'est la colle très très forte, c'est la colle à bijoux. Donc, ouais. Sinon, prends un deuxième. Colle celui-là. Là, et prends... pris, ah, ça y est. Ah, ben. Voilà. Et je verrai si ça... C'est la colle spéciale. Hein. Ouais, c'est exprès pour les bijoux. Si tu veux refermer. Bon, elle est un petit peu chère, mais elle colle ouais. Super bien. Tiens, si tu veux garder le nom, j'ai un fond. C'est, ah c'est oui, bon. Merci. Il reste peut-être encore un peu dedans. Tu m'aurais donné juste le nom, c'était suffisant. Ouais. Mais il reste peut-être encore un peu dedans. Ouais, si tu veux essayer. Je reviendrai, ouais. Donc, tout ça, c'est à toi. Mmh. Ça, c'est à toi. Bon, je vais recoller mon arête. Oh. Ah, bah oui, du coup. Bah, au pire, je le remettrai. Je remettrai chez moi, tu vois, parce que du coup. Alors chez toi, petite photo, mon atelier chez Didith. Petite photo, j'ai pas fait de photo. De ça. Ah oui, pardon. Pas de souci. C'est bien, ils sont un peu plus gros que les miens, tes aimants. Ils sont fins, mais pas aussi gros que ça. Oui, il faut prendre des 1 mm. Oui, 1 mm, mais les miens sont plus petits, sont vraiment... Ah, j'en ai aussi des tout petits, petits, petits. Yann. Ouais. Oui, c'est votre sol, il est à peu près.
Là, c'était une erreur d'achat. Je m'en sers quand même pour des... Non, quand même, ben voilà. Bon, mettre sous presse, hein, maintenant. Hop, on a fini. Youpi. Là, là, nos bois-boîtes. Voilà. Bon, elles sont pas encore fort très collées, hein. Donc on met tout sous presse. Hop, il y a des peluches. Voilà. Donc, hop. Voilà. On a un peu galéré par moment. Ça a un petit peu mélangé les pinceaux. Mais. Pourquoi? Ben moi. Mais ça peut le ruban. Ouais. On a les mettre du mauvais côté, c'est vrai. Oui, du mauvais côté. Oui. J'ai mis le fond de couvercle avant le ruban, mais bon. Oui, ben, c'est vrai que quand tu. Ben quoi, quand même, une fois que tu as collé ça. Voilà. En plus, quand on a mis les doubles faces, on ne pouvait plus les coller. Ben, c'est surtout parce que là, on a mis du molleton. Oui, en plus. Sinon, si on n'avait pas collé ça, c'était pas gênant. Ah ben si. Si, molleton, pas molleton. Ouais. Non, ce qui nous a embêté, c'est le fond de couvercle. On ne pouvait plus faire glisser le ruban. Ben oui. Il n'y a que double face. Ouais. Là, c'est, okay. C'est archi mort. Non, ça va, je suis contente. J'ai l'impression de muer comme les serpents, mais bon. Oui, ça, on a nos mains pleines de colle-colle. Bon, Sylvie, elle va dire ce qu'elle a pensé de sa journée. Hein. Je ne sais pas si je vais revenir. Non, non, je... À refaire pour d'autres choses. Et pourquoi pas, moi, te montrer quelque chose à ce moment-là. Oui, voilà, du patch. Bon, pas tout de suite, parce que bon, c'est quand même pas mal de route. Et puis, oui, ben, je suis contente du résultat. Voilà. On va voir quand ça sera bien... Bien sec. Mis sous presse. Oui. Comme dit la chef. Voilà, faut sous voilà, presse. Pareil, parce que tu vois, ça... C'est ah oui, oui. Quitte à remettre de la colle, tu le laisses ouvert, voilà, tu mets sous presse, tu mets un dictionnaire, et le lendemain, tu remets tout sous presse. Mais... Autrement. Voilà. Parce que du coup, par contre, tu... Ah, c'est limite, toi, non. Presque regarder pour le centrer par rapport... Ouais. Bon, je la referai pas toute seule, vu qu'elle donne pas ses dimensions, elle le fait exprès. Voilà. Non, mais c'est bien. Si, je les donnerai. Je vais refaire une vidéo et je lui en donnerai. Mais là, bon, ça aurait été compliqué de donner les dimensions et tout. Faire du temps. Oui, parce que là, on a quand même fait en un peu en temps record la boîte. Donc, voilà. Non, en plus, les couleurs sont belles. Oui, pastel. Non, c'est mignon. Bon, et contrairement à ce que j'avais dit, comme j'avais pas mis mes lunettes, ce ne sont pas des petits pois, mais des étoiles. Ok, c'est pas évident, hein. Sur la vidéo, je suis même pas sûre qu'on va voir. Alors. Et non, je suis contente, c'est bon. C'est bien. Tant mieux. Bien. Donc, à refaire. Voilà. On refera, mais on verra quand. Par contre, le petit défi, c'est qu'avec le papier que je t'ai ramené, tu me fais un album. Oui, elle m'a ramené. On est le 11 mars. Bon, allez. Je te donne jusque fin avril. C'est bon? Oui, fin avril, ça va. Parce que moi-même, je ne sais pas si je l'aurais fait d'ici fin avril. Mais déjà que je rachète des enveloppes chez Action. Je sais, on parle tout le temps d'Action, mais bon, c'est tout. Hein. Mais bon, ça ne me gêne pas de travailler avec du Action, du Stampin' Up, du Asa, du... On travaille avec tout. Hein. Du Cultura. On n'est pas raciste. Voilà. Voilà. On travaille avec tout le monde. Il faut que je rachète des enveloppes, mais j'ai plus que des carrés. Stampin' Up, j'aimerais bien, mais bon. Ah ouais. Ouais. C'est les tampons. Jolis tampons. Ouais, mais là, mes perfos... Moi, c'est que des papiers. Surtout les papiers Noël. Mais serre. Ouais. Dommage. Tant pis. Donc voilà, c'était notre journée.
J'espère que la vidéo. Bon, je vais essayer de la raccourcir au montage, hein, parce que. Ouais, ça fait combien tout 2 heures de film? Là, il y a une de. Il doit y avoir. On a dû tourner 2 ou 3 heures de vidéo. Donc, on va concentrer. Hein, accélérer. Parce que sinon, vous allez vous endormir. Je ne vais pas vous mettre de musique zen là sur celle-là. Parce que sinon. Je vais en perdre les 3/4. Comment quand on regarde tes vidéos? Oui. Vous savez quoi? Elle regarde mes vidéos, elle s'endort devant mes vidéos. Le soir, je précise. Tellement qu'elles sont intéressantes, mes vidéos, elles s'endort. Mais non, mais moi, la télé a toujours envie de filmer, me regarder le soir. Je suis une couche tôt, lève tôt, donc on ne peut pas tout faire. Ben, moi, je suis une couche tard. 6h15, hein, je pète la forme. Et moi, 7h15, si. Tu te manques gaz. Complètement. Ah bon, je ne sais pas, rester tard. Bon. Le week-end. Voilà. Allez, on va vous laisser. Bah, du coup, elle a montré sa tête. Je suis contente. Elle est contente, moi. Mon anonymat est grillé. Voilà, c'est tout, fini. Et pour la peine, avant qu'elle parte, je fais clic, clic, photo. Comme ça, mettre sur Facebook. Ah non, pas ma tête sur Facebook. Hein. Bah, je sur YouTube, c'est bon. C'est bon hein. Non, mais c'est qui je chef ici? Je suis chez moi. C'est ce que je veux. Je t'ai pas donné l'autorisation de me prendre en photo. Allez, on vous laisse. On vous fait plein de gros bisous. Et je vous retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. Plein de belles choses. À et bientôt. Et du boulot en cartonnage. Plein de boulot. Oui, parce que j'ai le salon à préparer du mois de juin, s'il n'est pas annulé. Allez. Mais non, j'ai les doigts. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir.